Oula, ah, il y a des updates. J'ai ouvert mon Zoom, ça a pris quelques minutes, là, il y avait des updates, puis il y a plein, plein, plein de trucs, là, des applications. Je ne sais pas si vous avez accès à ça, vous aussi, sur le côté, là. Donc, bonjour tout le monde. On est dans le challenge 5D. 5D pour 5 jours, mais aussi pour 5 dimensions, la cinquième dimension. J'espère que vous allez bien. On est toujours numéro 3 aujourd'hui, hein, c'est le potentiel mental. Il ne faut pas oublier le challenge, il porte le nom du potentiel infini, donc c'est l'éveil de votre potentiel infini. C'est sûr que si vous faites les exercices, vous allez voir des choses qui vont s'éveiller en vous. Le but, tu sais, c'est pas, tout est parfait au moment présent. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des choses qui vont se travailler aujourd'hui. Vous allez voir que ça va continuer à se travailler dans le temps, cette formation-là, comme toutes mes formations d'ailleurs. Puis, comme j'ai dit hier, toutes mes formations sont basées sur l'éveil de votre potentiel infini. Mon but ici sur Terre, c'est vraiment d'aider les gens à atteindre de plus en plus leur potentiel infini, l'abondance infinie à l'intérieur d'eux, connexion avec leur moi supérieur. C'est d'aider les gens à exprimer leur unicité, donc trouver qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, puis l'exprimer. C'est pour ça que la formation Phoenix existe. Puis ensuite, ben, c'est de pouvoir aussi éveiller tous vos sens, vos dons. Puis la quatrième et non la moindre, c'est vraiment de vous aider à prendre conscience de certaines choses qui est conflictuelle à l'intérieur de vous, pas en harmonie, puis vous aider à aller vers l'harmonie de cette problématique-là. Donc, on va se centrer pour commencer au niveau du cœur. Je vous demanderai de prendre tous vos trucs de la journée, c'est parce qu'on est rendu à midi ici au Québec, puis ceux et celles qui vont écouter. Plus tard, ça va être au moment que vous allez l'écouter. Mais de toute façon, c'est ça, vous avez vécu des choses jusqu'à présent dans votre journée, à moins d'écouter la formation, vous levez le matin. Donc, on va tout prendre les tracas de la journée, on va les mettre dans un récipient, un contenant quelconque, puis on va aller le porter à l'extérieur, soit de la pièce ou de votre maison carrément dehors. Sachant que vous allez pouvoir vous y reconnecter dans le futur quand bon vous semble. Excellent. On va se centrer au niveau de notre chakra du cœur. Visualisez, voyez, entendez, ressentez votre chakra du cœur qui s'active, si ce n'est pas déjà fait, et qui prend de l'expansion. Je savais que ça s'en venait, je le sentais. Et qui prend de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin intérieur. Et voyez ce soleil-là prendre de l'expansion le plus large que vous pouvez sans rien forcer. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent de la base jusqu'à la couronne et deviennent des soleils de la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Fait que vous voyez comme un beau pilier de lumière qui entre dans la terre le plus profondément que vous pouvez, qui monte dans le ciel le plus haut que vous le pouvez sans rien forcer. Ramenez les énergies des sources si vous le pouvez. Si vous n'êtes pas capable, c'est OK, ça sera pour une autre fois dans votre centre, source terrestre et céleste, bien entendu. Et émanez cette énergie, cette puissance qui est homogène à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules, vos organes, partout, partout dans vos liquides, dans vos tissus. Et émanez. Vous êtes des soleils,
au même titre que le soleil dans le ciel, par votre cœur. En fait, votre cœur émane comme un soleil. Donc, soyez ce soleil, cette émanation, tout simplement. Excellent. Des soleils, ça n'a pas des charges sur ses épaules, hein? Excellent, excellent. Donc, je vais vous transmettre la belle matière. Si vous n'avez pas déjà été vous présenter, faites-le. Il y a à peu près juste Mike Delight ici qui n'a pas été se présenter sur le groupe parce qu'Hélène et Caroline l'ont fait. Merci. Donc, c'est ça. Allez vous présenter sur le groupe si ce n'est pas déjà fait. Puis vous pouvez aussi peut-être émettre vos intentions de guérison. Je vois qu'il y a certaines personnes qui participent vraiment beaucoup, puis c'est cool. Merci. Donc aujourd'hui, c'est de développer votre potentiel mental, hein? Le but, c'est vraiment d'être dans votre maximum, dans votre potentiel infini. Hein, le potentiel infini le dit, c'est devenir éventuellement au maximum. Puis je pense que ça, c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'on est toujours en train d'accéder à notre puissance de plus en plus. Puis je pense qu'on y accède à travers différentes choses qu'on fait, des libérations, des guérisons qu'on fait sur soi. C'est clair. Puis là, aujourd'hui, on va toucher au potentiel mental. Donc, on a divisé ça en cinq aspects, là, pour ceux et celles qui vont écouter pour la première fois. S'il y a d'autres, si vous avez besoin d'aller travailler plus l'émotionnel, c'était le jour 2. Puis le premier, c'était le physique. Demain, on va aller toucher à la spiritualité, là. Ça va être, on va jaser, là. OK, fait que développez votre potentiel mental en vous engageant dans des exercices de réflexion, des compétences cognitives, concentration, pensée puis créativité. Ça va venir aider votre mental. Donc là, je vais vous donner plusieurs conseils pour améliorer vos compétences cognitives puis développer votre potentiel mental. La première, ben, c'est la pratique des exercices de concentration. Donc, la concentration, c'est essentiel pour améliorer votre potentiel infini. Oui, mais mental. Donc, je vais vous donner comme des différents exercices possibles. Puis encore là, on revoit la méditation. Je vais aller plus amplement dedans. J'en reparle à toutes les fois parce que la méditation, pour moi, c'est vraiment. Puis demain, on va comme aller plus deep là-dedans, là. La méditation, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, 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 je dirais, primordial à tous les niveaux. Puis ça va vous emmener dans votre potentiel infini à court et long terme. Parce que, tu sais, en court terme, il va avoir des impacts, mais à long terme, plus vous allez travailler à méditer, mettons, sur votre méditation. Ça va vous aider. Ensuite, il y a la lecture attentive. Ça, je vais en parler parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Les casse-têtes, les jeux de mémoire vont vous aider à focaliser sur une tâche spécifique, puis ça va vous aider dans votre potentiel mental. La méditation est bénéfique pour le mental pour plusieurs raisons. Donc, elle réduit le stress. Comme on a dit hier, fait que on a vu que c'était bon au niveau physique, on a vu que c'était bon au niveau émotionnel, puis là, on le voit au niveau du stress, mental, excusez-moi. Donc, ça réduit le stress, puis ça vous permet de gérer, en fait. La méditation va vous permettre, c'est un outil qui va vous permettre de gérer votre stress. Pourquoi? Parce que le but de la méditation, c'est de se ramener dans le moment présent. Puis dans le moment présent, il n'y en a pas de stress pour la plupart du temps. Ça calme l'esprit, ça ralentit les pensées, ça favorise une relaxation profonde. Donc, en se reconnectant à la méditation, mais ça vient vraiment réduire, sinon éliminer complètement le stress. Puis en pratiquant régulièrement la méditation, ben on peut apprendre à mieux faire face aux situations stressantes que la vie nous amène.
Ça améliore aussi la concentration. La méditation favorise la capacité de concentration et d'attention. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup remarqué. Là, oui, le stress aussi, mais la concentration, puis l'amélioration de la concentration, moi, ça, c'est quelque chose que je vois. On va souvent me faire faire des tests, là. Bon, peu importe, dans les formations, puis même ma belle-fille, à un moment donné, sa sœur, elle m'a apporté un test, puis Tania, elle savait que j'étais pour réussir tout de suite parce que j'ai la facilité à pas me faire, à cause de la méditation ou grâce à la méditation, à voir, je veux dire, au-delà, tu sais, le plus grand portrait, fait que j'arrive souvent à faire les jeux qui sont, c'est facile pour moi. Puis ça, c'est grâce à ça. Donc, en se concentrant sur un point focal, donc, tel que la respiration ou un mantra ou vos sensations physiques, comme je vous ai enseigné les derniers jours. Donc, ça l'entraîne l'esprit à rester dans le moment présent, puis se détacher de toute distraction. C'est pour ça qu'au début, quand vous commencez à méditer, on vous dit allez à l'intérieur de vous, fermez vos yeux. Mais à un moment donné, avec le temps, ben, ça peut prendre du temps pour certaines personnes, puis un peu moins pour d'autres. Bien, on arrive à être en état méditatif quasiment tout le temps dans le quotidien. Surtout si vous pratiquez des trucs spirituels beaucoup au cours des journées. Puis on arrive à méditer les yeux ouverts. Donc, tu sais, si on est quelqu'un encore avec. On n'est pas trop. la concentration n'est pas forte, bien, vous êtes mieux d'avoir les yeux fermés. Hein. La réduction de l'anxiété, moi, l'anxiété pour moi, de toute façon, c'est une forme de stress, on s'entend. C'est plus pour quelque chose, tu sais, dans le futur. Mais en même temps, ouais, c'est ça. Puis ça vient créer une boule au niveau de l'estomac, comme on a dit. Je vois que depuis que la pandémie est là, il y a beaucoup d'anxiété, là. En tout cas, beaucoup plus, peut-être. Puis les gens au niveau hormonal aussi, je vois que ça peut se déclarer aussi à ce niveau-là. Fait qu'il faut faire attention. Mais en même temps, si vous avez cultivé un état calme intérieur, ben vous allez arriver à vous détacher de tout ce qui a rapport avec vos pensées anxieuses. Donc, la pratique aussi de la méditation va réduire l'anxiété, puis parce qu'elle aide à avoir une meilleure gestion émotionnelle. Ça fait partie de ça. Malgré que l'anxiété fait partie aussi des maladies mentales. Là. Amélioration du bien-être émotionnel. Donc, la méditation peut favoriser un grand équilibre émotionnel. Elle permet de développer une plus grande conscience de ses propres émotions, puis de les observer sans jugement, comme on a dit, hein, en pleine conscience. Développer des réponses plus adaptatives. Puis ça peut nous conduire à une grande résilience émotionnelle, puis une meilleure régulation des émotions. Développer une clarté mentale. Donc, la méditation aide à clarifier l'esprit. Donc, c'est cool quand on s'éclaire dans notre esprit parce qu'on a fait le point. Puis à cultiver une plus grande clarté mentale. Donc, en apaisant les pensées et les distractions, elle permet de voir les choses plus clairement, puis de gagner en perspective, puis prendre des décisions qui sont plus éclairées. En fait, ça va être des décisions qui vont être beaucoup plus alignées avec votre essence, puis votre moi supérieur, grâce à la méditation. Qu'on vienne noter aussi que la méditation peut varier hein, d'une personne à l'autre, puis on peut ressentir les bienfaits en ayant une pratique régulière, c'est pas en faisant de la méditation une fois sur une lune, là. Ça l'aide quand même, je suis sûre, mais c'est pas là que vous allez voir les bienfaits, là. La méditation est excellente pour la concentration. Parce qu'elle entraîne puis elle renforce les capacités attentionnelles de l'esprit. Donc, c'est quoi les bienfaits de la méditation? En fait, c'est qu'elle a un entraînement de l'attention.
Parce que quand on médite, on va se focusser sur quelque chose, se concentrer sur quelque chose, que ce soit notre respiration, un mantra, une sensation physique. Fait que ça va nous amener à être focus sur quelque chose, moment présent. Donc, réduction des distractions mentales, amélioration de la pleine conscience. On va renforcer la résistance aux distractions, une meilleure amélioration de la flexibilité mentale. Donc, il y a beaucoup de bienfaits à la méditation sur le mental. C'est ça. La lecture attentive. Fait que là, dans le fond, comme devoir, vous avez à continuer à méditer, bien entendu. Je l'avais proposé au début. Hier, j'ai ajouté une autre forme de méditation. Aujourd'hui, je vous dis, faites celle qui vous convient, de la manière qui vous convient. D'abord, que vous fassiez un minimum de 20 minutes de méditation par jour pour le reste du challenge. Puis, vous continuerez après si le cœur vous en dit. Puis, aujourd'hui, ce que j'ajoute, c'est comme devoir, c'est la lecture attentive. Je vous explique. Elle est aussi nommée lecture réfléchie ou lecture approfondie. C'est une méthode de lecture qui implique une concentration, puis une. Fait que c'est vraiment d'avoir toute votre attention sur ce que vous êtes en train de lire. Ça fait longtemps que je le disais pas comme ça, là, la lecture attentive, mais c'est ça que c'est. Ça fait longtemps que je le transmets à mes étudiants de toutes sortes, là. Un peu partout dans mes formations, j'en parle régulièrement parce que c'est une chose qui m'a permis d'être dans le moment présent. Tu t'assois, tu lis, tu fixes ton attention vraiment sur ce que tu es en train de lire. Puis si ton mental s'emballe, ben là, tu relis qu'est-ce que tu as comme. Parce que quand le mental commence à jaser pendant que tu es en train de lire, tu perds le fil de ta lecture. Donc, ça vient, c'est comme on dompte le mental, on est en maîtrise du mental de plus en plus en faisant des choses comme ça. Donc, c'est une méthode qui va, ouais. Puis, c'est un processus actif où le lecteur, la lectrice s'engage pleinement avec le contenu du texte, analyse les idées qui sont présentées, puis évalue les arguments et tire des conclusions informées. Donc, la lecture attentive va au-delà de simplement parcourir les mots, d'absorber l'information de manière superficielle. On n'est pas juste en train de lire pour lire. C'est ça que la plupart des gens font. Puis, pendant que vous lisez, ben, il y a comme. Fait que c'est vraiment tout mettre son énergie dans la compréhension de ce qui est transmis. Moi, j'ai un livre qui s'appelle le livre Un cours en miracle. Il s'appelle vraiment comme ça, Un cours en miracle. Pour moi, c'est comme une version nouvelle Bible de ces années-ci, là. Puis cette Bible-là, je veux dire, ce livre-là, j'ai fait les exercices qui sont proposés au centre. Il y en a 365, un par jour, puis il ne faut pas excéder ça. Si vous pouvez rester plusieurs jours avec le même exercice, mais on ne doit pas faire plusieurs exercices par jour. Puis, ce cours-là, en fait, le début, l'introduction, je ne l'ai pas encore complété en date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sens l'appel d'aller faire de la lecture attentive sur ce livre-là une fois de temps à autre. Puis je ne vais pas excéder, des fois, c'est juste quelques lignes, un paragraphe, une page. Ce n'est pas beaucoup de contenu. Pourquoi? Parce que je veux vraiment pas être dans le superficiel. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Puis je le sens. Vous allez le sentir quand vous êtes dans la lecture attentive et non de manière superficielle. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Puis de toute façon, on est guidé pour aller lire qu'est-ce qu'on a à lire au moment opportun. Moi, j'ai des livres que ça fait des années que j'ai achetés, beaucoup d'années même. Puis là, oups, à un moment donné, ça me dit ce livre-là. Puis des fois, c'est même pas le début, c'est comme tel paragraphe dans tel chapitre. Puis là, je vais écouter, puis je vais lire. Puis j'ai toujours besoin de cette information-là. C'est sûr qu'on peut y accéder autrement, là. Mais tu sais, des fois, c'est comme dans le physique que ça se passe.
Puis c'est ça. Fait que c'est une façon de recevoir en claire connaissance, si on peut dire comme ça. Ça demande aussi une réflexion attentive puis une implication mentale profonde de faire de la lecture active, là. Quand on pratique la lecture active, on peut souligner ou prendre des notes sur des parties importantes du texte, poser des questions pour clarifier sa compréhension, peut-être aller faire même des recherches, identifier des points forts, des faiblesses, des arguments présentés, puis établir des liens entre les idées. Puis vous allez voir que plus vous allez en profondeur dans les choses et moins dans le superficiel, comme la plupart des gens sont habitués de faire, c'est l'image de creuser des trous en surface, mais jamais trop en profondeur. Bien, quand vous faites de la lecture attentive, vous allez en profondeur. Puis plus on va en profondeur dans tout, en fait, ce que ça nous amène, c'est qu'on va faire des liens entre plein de choses. C'est vraiment cool. La lecture attentive est souvent utilisée dans des contextes académiques. Ça peut être l'étude d'un livre, d'un article ou d'une recherche, mais on peut aussi le faire pour soi, là. Ça favorise une meilleure compréhension du matériel, de ce qui est présenté comme information, une rétention plus durable des informations, une capacité accrue à évaluer, à critiquer de manière critique ce qui a été lu. Puis là, quand on parle de critique, c'est pas nécessairement le côté négatif des choses. Mais en même temps, si vous avez une version, puis c'est le fun des fois de pouvoir en parler avec d'autres, parce que d'autres peuvent vivre ça à leur façon. Puis là, ça vous amène des aha moments. Là, vous faites, oh, moi, je me rappelle à l'automne, j'ai suivi une formation l'automne passé, le 2022, en astrologie. Puis j'en ai suivi, ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais comme dans l'après-midi, je faisais des liens. Puis ça s'est fait comme vraiment rapidement dans ma tête. Puis ça fait longtemps que je veux étudier l'astrologie plus en profondeur parce que ça a toujours été intuitif pour moi. Je vois, j'entends, je ressens là, des symboles, des trucs par rapport à l'astrologie, les maisons astrologiques, tout ça. Puis je fais même des lectures de tarot avec les maisons astrologiques. Puis des fois, quand je fais mes lectures, je vois des signes astrologiques. Bon, j'ai vu des associations avec des pierres, des trucs comme ça, mais ça s'est toujours fait, soit en voyance, soit en rêve, ou en méditation ou autre. Puis là, dans cette formation-là, tu sais, au début, dans l'avant-midi, expliquer les grandes lignes théoriques. C'était le fun, mais c'était pas très, très profond pour moi. Dans l'après-midi, là, je faisais des connexions. J'aurais même pas pu en parler à mon prof parce qu'il m'aurait dit que j'étais un peu. C'est pas un prof qui est très, très, très intuitif, là. Il est plus dans l'analyse puis dans le rationnel. Puis c'est OK, moi, je pense qu'il faut aller dans les deux sphères du cerveau. Mais là, dans l'après-midi, là, je te faisais des liens, là. Fait que, ouais. Puis tu vois, hier, j'étais en train de faire quelque chose, puis ça m'a dit qu'il faudrait que durant l'été, que je revoie cette vidéo-là. Je vais aller encore plus deep. Ce qui fait que quand je suis en consultation, maintenant, les lectures d'âme, je les fais pratiquement tout le temps avec la carte du ciel. Puis c'est le fun parce que je vais chercher un côté avec les planètes qui était là, tu sais, dans le moment de la naissance de la personne, puis tout ça, là, ça vient comme éclairer beaucoup de choses. Donc, c'est ça d'aller en profondeur. On fait des liens, tu sais, quand je fais mes lectures dans master, oui, ben, ou quand que je fais des soins énergétiques aussi, moi, je suis comme ce qu'on appelle medical intuitive. C'est-à-dire que je peux voir l'organe que les médecins de ça sont en train de travailler chez la personne, puis je vois exactement, tu sais, puis je comprends certaines choses. Mais souvent, j'ai pas tout le côté médical là, dans ma connaissance. Fait que je vais faire des recherches pour aller comprendre, puis je fais comme, oh mon Dieu, ça a de l'allure. C'est pour ça, tu sais, les gens qui viennent en consultation, souvent, tu sais, ils veulent régler. T'sais, hier, pas hier, mais le jour 1, je vous ai dit, c'est important aussi de comprendre pourquoi vos chakras sont en disharmonie. Parce que si c'est comme ça, c'est que la nature a fait ça ainsi. Alors pourquoi c'est comme ça?
Qu'est-ce que j'ai à corriger, comprendre pour que ça soit en harmonie, si ça doit l'être dans le futur? Donc, quand les gens m'arrivent, oh, j'ai un problème de ci puis de ça, moi, mais t'es sûr qu'il faut aller travailler ça? Si c'est comme ça, c'est parce que la nature veut que ça soit comme ça. C'est comme là, j'entends beaucoup les gens parler de la bio, les hormones bio-identiques. Je ne dis pas que c'est pas bon. Sauf que moi, j'ai lu un livre, c'est un médium, medical medium qui s'appelle. Puis lui, Anthony Williams, qui dit, c'est que le corps est supposé d'être comme ça. Puis quand vous êtes en périménopause, ménopause, c'est que le corps il est en train de se protéger pour vous empêcher d'avoir certaines maladies. Donc, voulez-vous vraiment régulariser tout ça avec des médicaments? Je comprends que les symptômes sont très, très, très intenses, mais il y a façon de danser avec les hormones, avec les... Ouais, la danse des hormones, puis apporter des plantes naturelles au moment opportun pour réduire les symptômes, mais on ne veut pas nécessairement corriger qu'est-ce que la nature est en train de faire. On a tendance à vouloir corriger, tu sais, il y a un chaos là, on veut corriger. C'est peut-être comme ça qu'il faut que ça soit. Tu sais, vous êtes en colère, on veut corriger tout ça. Oui, il ne faut pas toujours être en colère. Mais en même temps, il faut les exprimer, les émotions, puis les trucs qu'on a à vivre. Une petite parenthèse comme ça. On peut aussi faire des. Le fait que là, vous avez retenu que les deux exercices d'aujourd'hui sont continuer la méditation, bien entendu, puis faire de la lecture attentive. Moi, je l'ai fait, puis maintenant, quand je lis, je suis plus dans ma tête, là. C'est vraiment, je suis dans le moment présent. C'est un exercice comme la méditation qui va vous amener à être focus moment présent. Puis, ça va vous permettre aussi d'être dans une écoute attentive quand vous allez être avec les autres plus tard, là. Parce que la lecture attentive vous amène dans le moment présent comme la méditation, puis ça fait que quand on est en présence de d'autres, après, quand ils parlent, on n'est pas en train d'essayer de penser, de répondre à la question, puis qu'est-ce qui est là, puis de se montrer meilleur que l'autre. Mais on est vraiment dans j'écoute ce que tu me dis. T'sais. Puis ça, c'est important si vous voulez faire du one-to-one avec les gens plus tard, là. Donc, faites des exercices aussi de réflexion. Engagez-vous dans des activités qui vont stimuler votre réflexion puis la résolution de problèmes. Je sais qu'il y a certaines personnes que c'est leur travail, là, mais c'est le fun de pouvoir faire ça. Moi, j'ai longtemps fait des sudokus, des mots croisés, des choses comme ça. Je suis excellente à résoudre des énigmes. Avant, il ne faut pas oublier que j'étais en chimie analytique, hein, fait que wouhou, j'aimais beaucoup aller dans cette trouver des solutions. Puis c'est pour ça que quand je suis en consultation avec vous, cette porte-là est très ouverte. Donc, ça va vous amener, selon votre vérité, à trouver des solutions à votre problématique. Donc, oui, il y a d'autres exemples, mettons, à part les jeux de société, là, puis tout ça, là. Faire du journaling, écrire dans un journal. Prenez quelques minutes à chaque jour pour écrire dans votre journal, mais là, vous pouvez vous poser des questions sur votre journée, vos émotions, vos objectifs, puis vos préoccupations. Écrire librement, sans censure. Puis laissez vos pensées venir se coucher sur le papier que vous attendez, vos sentiments aussi. Donc, le journaling favorise la réflexion introspective et peut vous aider à mieux vous comprendre. Puis c'est le but, hein, de vous comprendre. Comme je l'ai dit, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez vous connaître, plus vous allez être dans votre potentiel infini, parce que vous allez trouver des solutions rapidement. Vous allez voir la patente arriver avant qu'elle arrive. Fait que c'est vraiment cool.
Puis là, je regardais réflexion, introspection, fait qu'on s'entend que c'est quelques minutes dans l'ermite pour ceux et celles qui connaissent le tarot. Vous rentrez dans votre ermite pour aller. Puis ça, c'est même excellent parce que ça vous empêche dans votre quotidien d'être dans des plans. Tu sais, ça clarifie. Ça vous permet, tu sais, d'avoir clarifié certaines choses, comprendre certaines choses, mais ça l'empêche les nuages d'être là dans votre quotidien. Une méditation pleine de conscience, bien entendu, hein, va vous aider. Un dialogue intérieur. Donc, prenez le temps d'avoir une conversation avec vous-même. Moi, là, c'est pas juste intérieur, moi, c'est extérieur. Quand j'étais jeune, je disais que ma grand-mère, j'ai coudonc, ma grand-mère, elle se parle toute seule, tu sais. Mais là, je comprends. Puis ça fait longtemps que je le comprends d'ailleurs. Même quand j'ai connu mon chum il y a 18 ans maintenant. Ça va faire 18 ans au mois de juillet, le 25, qu'on se connaît. Ben, on s'est connus avant, mais qu'on est, mettons, ensemble. Puis c'est ça, j'y ai dit dès le début. Ça se peut que je parle tout seul, mais je vais parler à la vie. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment la forte croyance que, tu sais, il y a une interaction entre moi puis l'univers tout le temps. Mais c'est la même affaire pour vous, là. Entre nous puis l'univers tout le temps. Puis si vous posez des questions, ben vous allez avoir vos réponses, tu sais. Puis c'est ça. Puis de plus en plus, vous allez voir que ça fonctionne, puis que vous avez un potentiel infini, une puissance infinie dans ce sens-là. Puis que vous allez vous rendre compte que, oh boy, j'ai demandé ça hier, puis j'ai ça aujourd'hui. Puis même si c'est plus rapide que ça devient instantané. Je vous dis ça parce que la semaine, là, une couple de semaines, je me souviens plus quand, là, parce que j'étais allée quand même chez le dentiste au mois de juin. Je pense que c'est dans la semaine du 12. Je pense que c'est le 13, en tout cas, bref. Ou le 6, ouais, le 6 peut-être. Je demande, tu sais, je dis à l'univers, je dis, ben là, il faudrait que j'aille chez le dentiste, là, parce que j'ai dû reporter mes derniers rendez-vous. Il y avait des conflits d'horreur avec le médecin une fois, puis une autre fois. Bon, bref, je me souviens pas trop. Puis eux, il y avait comme des problèmes aussi. Il y avait une dame qui était en congé de maladie, une hygiéniste, fait qu'il y avait moins de place. Puis bref, j'ai mis cette intention-là le lundi, mettons, dans la journée. Puis on m'appelait pour un rendez-vous le lendemain matin. Donc c'était vraiment, tu sais, comme dans l'instantané. Fait que oui, ça l'aide au niveau de votre potentiel mental, mais ça va vraiment vous aider avec votre connexion avec l'univers parce que c'est pas un dialogue qu'on fait tout seul jamais. N'oubliez pas que quand vous êtes en train de penser, parler, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de faire vos demandes à l'univers. Puis là, quand je parle de prière, je vais dans ce sens-là, mais pour moi, il y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la religion, là. Donc, c'est vraiment, tu sais, un dialogue que vous avez entre vous et votre moi supérieur, la source, Dieu, comme vous voulez. Mais plus vous allez apprendre à avoir ce dialogue-là, interne ou externe, moi, ça ne me gêne pas, là, l'externe. Ben, c'est ça. Puis quand j'enseigne le tarot, puis tu sais, je dis aux gens, la personne, elle vous dit, ah, j'ai pas de questions, mais ayez un dialogue avec l'univers parce que c'est comme, OK, donnez-moi de l'info sur cette personne-là. C'est comme ça que ça fonctionne. La lecture réfléchie, comme on a dit tantôt, hein? Réflexion, ben là, réfléchie, c'est que quand vous lisez un livre, vous allez pratiquer la lecture. C'est prendre des notes, souligner des passages, poser des questions sur le contenu. C'est un petit peu plus en profondeur que tantôt, là. La réflexion sur les expériences passées, ce point-là, il est muy, muy, muy importante. Pourquoi? Parce que c'est de prendre le temps de réfléchir sur ce que vous avez vécu dans le passé. Bon, là, pas tous les points importants, bien entendu. Puis, identifier les leçons qui ont été apprises, les erreurs qui ont été commises, les moments de croissance, le succès, le défi qui a été rencontré, les défis qui ont été rencontrés aussi. Ça, dans mes formations, je vais plus en détail là-dedans, là. Dans Dragon, on est allé beaucoup.
Donc, ça nous permet de comprendre nos patterns, les bons comme les pas bons. Donc, c'est une autre façon de pouvoir, tu sais, ça favorise l'apprentissage puis le développement personnel, mais en même temps, on sait tous qu'on n'a pas choisi de vivre ces expériences-là pour rien, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, puis c'était là, ben c'était là pour quelque chose. Fait qu'il faut vraiment aller trouver. Moi, en PNL, en coaching, ce que ça m'a appris vraiment, c'est de arriver à, comment dire, avoir une attitude positive par rapport à tout ce qui se passe au lieu de rester dans le négatif. Puis cette attitude-là, c'est quoi mon questionnement? OK, je suis en train de vivre un challenge, un défi là, présentement dans ma vie. Ben, dites-moi pourquoi c'est là. Tu sais? Fait que déjà là, en partant, je vais chercher le pourquoi. Il y a de l'apprentissage en arrière de ça. Donc, apprendre de nouvelles compétences. L'apprentissage continu est essentiel pour votre développement. Au niveau mental, mais pour avoir un potentiel mental accru. Donc, la lecture, la musique, étudier des langues étrangères. Et moi, là, sur mon cell, j'ai présentement une application qui s'appelle Duolingo, là. Il y a des gens qui font, ah, j'ai pas d'intérêt pour les langues. C'est juste pour vous aider au niveau du mental. Puis là, ben, je suis en train d'apprendre sur mon cell l'espagnol. Puis comme je ne sais pas faire pour changer, pour aller à une autre affaire, j'ai downloadé l'application sur mon... Je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis allée au plus rapide. Puis sur mon ordinateur, c'est en anglais. Donc, puis c'est sûr que mon téléphone, ce soir, j'étais assise, j'attends après mon chum pour XY raison ou j'ai un moment de... Ben là, je vais comme utiliser. Puis c'est le fun parce que... Ça vient nous aider au niveau du mental. Donc, l'apprentissage, ça pourrait être d'autres choses, hein? Ça pourrait être quelque chose en informatique. J'aime beaucoup apprendre présentement sur le marketing. Il y a des nouvelles façons, là, comme là, présentement, le 5-day challenge, là, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, puis là, ben, je vous l'enseigne autrement. Donc, les apprentissages sont bénéfiques. Là, ça, je voudrais que vous alliez voir, tu sais, ça, c'est un point important que je n'ai pas mis dans le truc, là, mais essayez de voir comment vous pouvez favoriser votre mental en apprenant quelque chose de nouveau si vous ne le faites pas déjà. Parce que ça stimule le cerveau, donc ça l'aide. Au niveau intellectuel. Puis en même temps, ben, vous allez chercher des nouvelles compétences. C'est vraiment cool. C'est stimulant. Puis on va explorer de nouveaux sujets. On va pouvoir résoudre des problèmes avec des nouvelles solutions. Ça, tu sais, plus vous avez de cordes à votre arc, mieux c'est, là. Donc, puis on active aussi différentes régions du cerveau en faisant ça. On renforce des connexions neuronales, puis ça va favoriser au niveau cérébral. Donc, c'est vraiment cool. Améliorer aussi la mémoire, hein. L'apprentissage régulier va aider au niveau de la mémoire. Fait qu'on va comme pousser les chances, tu sais, au niveau de certaines maladies, là. Je vous nomme pas toutes, là. Vous ferez vos propres conclusions, mais c'est ça. Puis en même temps, ben, ça va aider. La mémoire, moi, quand j'étais jeune, j'ai une excellente mémoire. J'avais été, parce que quand j'étudiais au cégep, moi, j'étais en sciences, là. Donc, j'avais besoin d'avoir une super mémoire. Puis mettons que c'est peut-être pas très, très, très génétique chez nous, là, la mémoire. Fait que je me suis aidée beaucoup, bon, c'est sûr, en continuant tout le temps à apprendre. C'est clair que je suis là-dedans, mais puis j'ai quand même, il y a des affaires que j'ai comme compris que je n'étais pas obligée de garder parce que j'avais une banque de mémoire assez grande. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée dans un magasin de produits naturels, puis je me suis acheté une espèce de package de plein, plein, plein de vitamines. Il y avait de la lysine là-dedans, il y avait plein de choses. Puis je prenais ça
à tous les jours pour m'aider. Ça m'a aidé. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire hein, pour vous aider. Là, c'est sûr que les produits naturels, peut-être aller faire des recherches. Là, je vous dis pas qu'est-ce que j'ai pris nécessairement puis comment, parce que je pense qu'il faut y aller avec notre qu'est-ce qu'on a besoin parce qu'on est différent. Mais moi, j'avais été pour ça, puis j'étais jeune, là, j'étais dans la fin, tu sais, j'étais même pas dans la vingtaine encore, là. Fait que à vous de voir. Puis favoriser ou ça favorise l'apprentissage, la confiance en soi. Parce que quand on a des nouvelles connaissances, compétences aussi, surtout quand on est en société, là, avec des amis, tout ça, là, au niveau social. Donc, c'est le fun de pouvoir faire des partages. Puis, ça nous amène à surmonter certains défis aussi. On développe des nouvelles compétences, on réalise, tu sais, on voit qu'on fait des progrès. Donc, ça a un impact positif sur notre confiance en nous, puis l'estime de nous aussi, puis en nos capacités. C'est comme là, moi, là, je vois là, que je vous transmets là, une super belle formation. La formation Phoenix, là, au prix qu'elle est là, et j'ai aucune. Je vois que c'est mon prix le plus bas. Est-ce qu'il va revenir? Je ne le sais pas, probablement pas. Mais qu'est-ce que je sais, c'est qu'il est 3 fois moins cher pratiquement que l'année passée. C'est sûr que ce n'est pas la même formule, mais je le sais que vous allez avoir plein, plein, plein d'outils là, avec ça. Là. Je vois que ça va être vraiment quelque chose qui va être super bon pour vous si vous avez le goût. Vous n'êtes pas obligé de vouloir partir en entreprise. Là. Comme une de mes clientes me dit, elle dit, moi, j'ai investi une thérapie spirituelle, tu sais. Elle voulait aller en vacances, mais au lieu d'aller en vacances, elle a pris un peu moins que le montant qu'elle voulait prendre pour les vacances pour travailler sur elle. Donc, oubliez jamais dans vos prières que quand vous faites du travail sur vous, vous faites ça éternellement. C'est fait pour l'éternité après, hein, quand vous avez réglé une petite chose, cette petite chose-là est réglée pour l'éternité après. Donc, tu sais, c'est sûr que le voyage que vous avez décidé de venir faire sur Terre, le voyage de la vie, c'est rempli de défis, mais aussi d'apprentissage. Puis c'est là pour ça, là, pour votre évolution, autant au niveau perso, professionnel ou autre, là. Donc, c'est clair que Phoenix va vous amener à aller dans une abondance, mais à tous les niveaux. C'est sûr que ça va être plus que le 3 mois que je vous propose, hein, parce qu'il y a des affaires qui vont se régler peut-être dans 6 mois, dans 1 an, mais vous allez repartir avec un bagage qui va être incroyable. Puis ça renforce aussi la flexibilité mentale. Donc, l'apprentissage vous encourage à aller vers de nouvelles idées, nouvelles perspectives, nouvelles connaissances. Fait que c'est vraiment cool. Il y a une ouverture qui est là. L'apprentissage de différentes matières et disciplines nous aide également à élargir nos perspectives puis à aborder les problèmes sous différents angles. Ça réduit le stress puis la dépression. C'est clair parce que tout ça est situé beaucoup dans votre tête. Fait que l'apprentissage va vous amener vers des distractions qui vont être positives au lieu de rester dans le négatif, hein, parce que les maladies, en fait, c'est toujours parce qu'on a un mindset un peu plus négatif que c'est là. Puis ça va réduire aussi le stress, l'anxiété, puis en offrant une évasion temporaire aux préoccupations quotidiennes. Donc, c'est un plus, hein. L'apprentissage favorise les sentiments de croissance personnelle puis contribue à réduire les symptômes de la dépression. On maintient la santé mentale aussi à long terme. Il y a des études qui montrent que l'apprentissage tout au long de la vie est associé à une meilleure santé mentale à long terme. Donc, moi, j'aurais pas de problème de santé mentale. C'est pour ça que je suis jamais allée ben, ben toucher à tout ça, là. Donc, l'apprentissage régulier en gardant notre esprit actif et engagé peut aider à prévenir les déclins cognitifs liés à l'âge, puis réduire les risques de
troubles neurodégénératifs tels que la démence, c'est pas rien, là, on s'entend. Fait que c'est vraiment cool. L'apprentissage régulier contribue à la stimulation mentale, à l'amélioration de la mémoire, à la confiance en soi, à la flexibilité mentale, à la réduction du stress, puis à la prévention de la santé mentale. Donc, elle est bénéfique à tout âge et favorise un esprit sain et épanoui. C'est sûr que si vous n'aimez pas apprendre, c'est pas cool, mais en même temps, il doit y avoir quelque chose que vous aimez. Donc, allez dans ça, dans l'apprentissage, dans cette voie-là. Donc, vous allez pouvoir vous aider. Pratiquez la créativité aussi. Donc, cultiver votre créativité va engager à votre esprit des activités artistiques telles que l'écriture, la peinture, la musique, la danse, la photographie. Donc, ça peut venir stimuler l'imagination, ça va favoriser les pensées divergentes, puis ça va renforcer votre potentiel créatif. Là, celui-là, je ne l'avais pas, mais j'aurais pu l'utiliser dans le 5-Day Challenge comme un des potentiels à faire. Ça va peut-être être quelque chose que je vais comme rectifier pour les prochains 5-Day Challenge, mais je fais quand même un détail là-dessus parce que je trouvais que le potentiel créatif, pour moi, c'est un outil important pour le arriver, excusez-moi, j'ai pas rien mangé, mais je digère pas quoi, je sais pas. Donc, c'est ça, donc c'est le potentiel créatif, je trouve que c'est un aspect important au potentiel infini. Parce que pour moi, la créativité, quand on est lié avec ça, puis là, ceux qui sont accrus sur la créativité, là, on n'est pas obligé nécessairement de. Ben oui, il y a une différence entre la créativité et être artiste, là. Mais c'est sûr. Bon. Puis certains vont faire la part des choses, mais vous le voyez ici, là, cultiver votre créativité en engageant votre esprit dans des activités artistiques telles que l'écriture. Fait qu'on n'est pas obligé de peindre puis créer de la musique, là. On peut être tout simplement, tu sais, on écoute la musique, tu sais, on danse, on n'est pas obligé d'être un danseur, là, pour danser, photographier, on n'est pas obligé d'être excellent, juste le faire, tu sais. Puis ça va chercher des mémoires aussi, hein, quand on photographie certaines choses comme là, hier, j'ai fait comme, ah, j'ai pas photographié mes fleurs cette année. J'aime beaucoup photo, tu sais, je le fais, j'aime beaucoup les fleurs. Donc, c'est ça. Fait que ça va stimuler. Puis, tu sais, le côté créatif, là, ça peut être juste de créer votre souper, vous habiller, tu sais, dans votre côté, votre manière de vous habiller, vous êtes comme, vous allez chercher le côté créatif de vous, là. Donc, tu sais, c'est ça. Puis le potentiel créatif, lui, je trouve que il est vraiment important parce qu'à quelque part, tu sais, quand vous êtes dans votre créativité, moi, je pense qu'on est tous des canaux pour la grande créativité. Quand vous êtes dans la créativité, ben vous êtes connecté avec votre essence, votre moi supérieur. Puis quand vous devenez le canal pour la grande créativité, ben là, il y a des choses magiques qui se passent, là. Puis on s'aligne aussi avec notre unicité, puis je vais en reparler plus tard, un petit peu plus tard de ça, là. Donc, pour moi, c'est important qu'on aille en parler. Fait que là, j'ai décidé de le mettre ici parce que le côté mental, à part l'apprentissage, tout ça, j'ai une bonne force mentale, mais c'est pas quelque chose que je suis vraiment venue corriger. Hier, dans l'émotionnel, j'avais du stock, j'aurais pu vous en parler pendant 3 jours. Mais puis le physique, c'est sûr que tu sais, l'entretien du physique, c'est bien, bien, bien important. Mais le mental, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est allé beaucoup dans la dépression, je n'ai pas fait de burn-out, j'ai un bon mental. Donc, je me suis dit, j'ai pas tant de trucs à vous apporter dans le mental, à part apprendre puis favoriser, tu sais, la mémoire, tout ça, mais ça, c'est quelque chose de, je vais dire, inné chez moi, comme pour le physique. Donc, je me suis dit que le potentiel créatif, il devait venir s'installer ici.
Même si je veux sûrement en parler, en reparler demain, parce que moi, je le vois comme une connexion avec l'esprit, avec la spiritualité. Tu sais, c'est ça notre but, je pense à tous. C'est d'arriver à être. S'il y a quelque chose, tu sais, quelqu'un va dire, c'est quoi ma mission de vie? Ben, la première, c'est de te connecter avec l'amour à l'intérieur de toi et dans l'amour inconditionnel le plus souvent que tu peux. C'est déjà ça, je pense, la première mission de vie à tous. Puis après ça, quand vous allez être là-dedans, ben là, c'est de devenir, je dirais, le canal pour la grande créativité. Fait que là, c'est de voir c'est quoi qui te fait, tu sais, t'aimes dessiner, t'aimes écrire. Moi, j'adore écrire, là. Parler aussi. Donc, fait que là, à un moment donné, à travers, tu sais, quand je parle, quand j'écris, ben je sais là, que c'est plus moi qui est là, tu sais. Je le sens, le monde. Il y a un gros comme, je vais dire, une épiphanie qui se place là. Puis ça, ben c'est là, je pense qu'il faut trouver. Tu sais dessiner, ok, tu dessines, laisse passer la source à travers ton canal quand tu dessines. Tu t'aimes parler, ok, cool, laisse passer la grande créativité, ton moi supérieur, l'essence, la source à travers ton canal quand tu parles. T'aimes écrire, oui, cool, t'aimes la musique, oui, cool, t'aimes danser, oui, cool, t'aimes, peu importe, laisse passer la grande créativité à travers ton canal. Puis là, ben ça, pour moi, ça, c'est l'alignement avec qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. C'est ton unicité. Puis je vais en parler tantôt. Mais le potentiel créatif, c'est très, très, très important. C'est là où il y a des choses originales qui passent. Oui, on peut te copier, mais c'est là où il y a des choses originales qui passent. Après ça, tu sais, c'est comme l'imagination aussi, quelque chose d'innovant. Tu sais, c'est là où il y a des choses qui sont inventées. Fait que c'est devenir le canal, puis c'est à travers tes talents que ça va passer. Tu sais? Bon, je suis peut-être pas Céline Dion, là, mais je sais qu'à travers le chant, des fois, il y a des choses qui passent pour la guérison des autres parce que. Mais je suis pas une chanteuse, là, on s'entend, mais j'aime chanter. Fait que c'est sûr que là, des fois, il y a, à travers certains sons, tu sais, bon, il y a quelque chose qui va passer là. Donc, il faut arriver à, s'il y a quelque chose que vous devez faire, c'est un, vous aligner avec l'amour, la joie, l'amour inconditionnel. Puis après ça, c'est OK, comment est-ce que mon canal peut être le canal pour la grande créativité. À un moment donné, tu sais, mon chum, il me dit, ah, oh, Chantal, t'es folle, je commence ça. On est allé faire un salon ce week-end-là, puis il se promenait, puis cette semaine-là, avant, j'avais parlé de Marie-Madeleine. Je sens la puissance de Marie-Madeleine. Puis je la sentais, tu sais, beaucoup à l'intérieur de moi. Puis quand on est allé à ce salon, ce week-end-là, il y a plein de monde qui avait été canalisé l'énergie de Marie-Madeleine. Comme là, tu sais, ce mois-ci, c'est l'énergie d'Isis, tu sais, qui était. Ben, j'ai vu d'autres personnes faire des soins avec Isis. J'ai vu l'énergie d'Isis. Fait que, tu sais, quand on est connecté avec une énergie qui est là, elle est là pour tout le monde, cette énergie-là. C'est juste que chaque personne va la canaliser à sa façon. Ça va passer à travers sa façon créative de l'exprimer. Ça peut être à travers l'écriture, ça peut être à travers la parole, les enseignements, ça peut être à travers la peinture, ça peut être à travers la musique, ça peut être, etc., etc. Donc, c'est à travers votre façon créative de vous exprimer que la source va passer à travers. Pour transmettre de l'enseignement, de l'information. Ça peut être juste de la beauté à travers ça aussi. Donc, c'est à, tu sais, il y a quelqu'un qui va comme la dessiner, la peinturer. Donc, c'est comme ça là, que ça arrive, là. Donc, pourquoi, c'est quoi les autres aspects clés qui sont importants pour développer davantage votre potentiel créatif? Donc, c'est à travers la pensée divergente.
Donc, le potentiel créatif implique une pensée divergente, c'est-à-dire la capacité de générer un large éventail d'idées, de perspectives et de possibilités. Cela implique de sortir des sentiers battus et de remettre en question les normes établies et de penser de manière non linéaire. D'habitude, les gens, les humains, tu sais, c'est linéaire, mais quand on est au niveau créatif, on est plus dans le multidimensionnel que dans le linéaire. Donc, le créatif va apporter ça. C'est cool. Flexibilité cognitive, là, il y a quelque chose qui m'était venu là, puis je l'ai comme perdu intuitivement. C'est bien plate, mais c'est ça. Capacité de générer un large éventail d'idées, de perspectives et de possibilités. Ah oui, à travers le tarot. Tu sais, moi, j'enseigne le tarot, puis je l'ai senti qu'il fallait que je transmette les enseignements du tarot. Mais quand j'enseigne le tarot, là, c'est pas juste pour apprendre à lire les cartes de tarot pour faire des lectures. Vous pourriez faire ça très, très, très bien par vous-même en lisant un livre, tu sais. Mais la formation de tarot que je transmets, ce qu'elle permet, c'est qu'elle se connecte avec votre moi supérieur, le mien, vos guides, mes guides. Puis là, il y a un travail pendant les 23 semaines qui se fait, qui est vraiment, tu sais, hors du commun. Puis je le sais, là, je vous le dis, là, puis je suis spectatrice de ça moi-même. Je fais comme, mon Dieu, qu'il y a un beau travail qui se fait là. Est-ce que les personnes sont toujours conscientes de ce qui se fait? Non, c'est quand qu'on se rend compte, puis on fait le one-to-one, que là, les gens font comme, oh mon Dieu, il sait travailler ça, ça, ça. Tu sais? Donc, c'est quand que le coaching est là, que là, les gens se rendent compte. Tu sais? C'est vraiment cool. Flexibilité cognitive. Donc, la flexibilité cognitive est une composante importante du potentiel créatif. Cela implique la capacité de changer de perspective, de considérer différentes options, de s'adapter à de nouvelles situations et de trouver des approches novatrices pour résoudre les problèmes. En fait, c'est pas compliqué quand vous vous connectez à votre potentiel créatif, vous vous connectez avec votre essence pure. Fait qu'il y a vraiment des choses que vous auriez même pas pensé mentalement. Imagination et originalité, c'est sûr que plus que vous êtes dans votre potentiel créatif, plus que vous êtes dans votre unicité, puis ça, je vais en reparler tantôt. Donc, c'est la capacité de vous aiser des idées, de créer des associations qui sont inattendues, de proposer des concepts qui sont originaux. C'est sûr, tu sais, que moi, je parle de potentiel infini. Là, il y a plein de monde qui vont parler de potentiel infini, mais ça va être exprimé différemment. Moi, j'ai un de mes coachs, là, il parle de libérer le potentiel. Lui, il dit pas infini, il dit votre plein potentiel, je pense. Mais c'est au niveau de l'argent, simplement. Il va vous amener à faire du travail sur vous, mais ce n'est pas ça son but. Son but, lui, ce n'est pas un coach au niveau de votre développement spirituel. C'est un coach au niveau de professionnel, argent. T'sais? De créer de l'argent, d'arriver à créer. Mais c'est ça, t'sais, on est tous différents. Puis, tu sais, ma formation Phoenix, là, j'ai un autre de mes prof que j'ai eu par le passé, elle a une formation Phoenix, mais elle, c'est vraiment juste au niveau spirituel. Moi, je l'amène au niveau spirituel et business. Pourquoi? Parce que je trouve que le Phoenix, il renaît de ses cendres. Hein? Donc, il y a vraiment un travail intense qui se fait. Puis moi, v'là 2 ans, je l'ai intégré pendant une semaine de temps, le Phoenix de lumière. Puis je l'ai intégré dans l'après-midi du 29. Il a commencé à rentrer dans mon canal sous forme de descente céleste de Kundalini, là. Mais au point de départ, c'était pas ça. C'était une jouissance qui était là. Puis le matin, j'ai fait comme un pacte avec l'univers. J'ai dit, puis tu sais, quand je disais tantôt,
parler à l'univers, puis c'est intense comment ça arrive rapidement. Puis moi, j'ai dit, bon, ben là, donnez-moi 5 ans, je vais devenir vraiment, tu sais, millionnaire, riche, là. Puis après ça, je vais juste travailler sur moi. Puis dans l'après-midi, là, bang, j'ai commencé à avoir une descente céleste. C'est la première descente céleste que j'ai eue de ma vie. Et elle était très, très, très dure. Une semaine couchée sur le dos. Donc, tu sais, des fois, notre mental, il dit, puis là, ça m'a dit non, les deux vont ensemble. Tu vas être plus riche si tu continues, puis de toute façon, l'argent, c'est de l'amour, là. Donc, tu vas être beaucoup plus dans l'abondance infinie si tu fais ton évolution en même temps que tu bâtis ton côté professionnel. Fait que là, j'ai fait comme, ah, les deux vont ensemble. T'sais, on ne peut pas les séparer. On pourrait, ça serait très limité. Donc, c'est ça. Curiosité, ouverture d'esprit aussi, hein. Faut pas oublier, hein, notre but, là, c'est vraiment, tu sais, plus vous allez aller vers l'ouverture de votre potentiel infini, plus vous allez être connecté avec l'enfant intérieur. Puis le côté créatif, c'est ça. C'est la connexion avec l'enfant intérieur qui est non blessé. Un enfant intérieur qui est blessé va être très, très, très limité au niveau de sa créativité, là. Il va créer des choses créatives. Est-ce que ça va être pour aider vraiment les gens? Oui, tout le monde aide les gens à leur façon. T'sais. Mais on voit des artistes, t'sais, qui font des tunes qui éveillent, puis des tunes qui guérissent. C'est des personnes de cœur qui ont travaillé sur leurs blessures ou qui n'en ont pas tant vécu dans cette vie-ci. Les gens qui sont comme dans la drogue, puis tout ça va quand même aider les gens à différents niveaux. Il y a des compréhensions qui se font. Ils n'ont pas fait nécessairement un travail sur eux, mais il peut y avoir quand même quelque chose qui passe à travers. Donc, mais on voit la différence. Le canal de quelqu'un qui canalise vraiment, c'est quelque chose de beau et de puissant et d'infini, c'est différent. Donc, tout le monde a des choses à apporter. On a tous des choses à apporter, tu sais. Mais c'est vraiment, c'est ça. Résolution de problème aussi, parce que le potentiel créatif est très étroitement lié avec ta manière de résoudre les problèmes. Les personnes créatives sont souvent aussi capables de trouver des solutions qui sont originales puis innovatrices. Expérimentation et prise de risque, c'est sûr, tu sais, parce que quand tu as, hein, c'est ça, Tony Robbins, il dit tout le temps, il dit, il manque pas de ressources. Ce qui manque, c'est ta façon créative de pouvoir arriver à générer, attirer ces ressources-là vers toi. Puis j'ai une de mes étudiantes de tarot, tantôt, je parlais sur Messenger, elle me posait des questions, puis elle me disait des choses qu'elle vivait, puis elle me dit, tu manques pas d'idées. Non, j'en manque pas. J'en ai déjà manqué. Mais maintenant, j'en manque plus. Pourquoi? Parce que j'ai été guérir des choses qui font que mon côté créatif, il est très, très, très sollicité. Là, j'en rêve la nuit, là, tu sais. Je suis en train de... J'ai fait une formation, justement, un 5D challenge avec un de mes coachs que je disais tantôt. Puis mon 5D challenge, je m'a comme tellement ouvert, puis j'ai pris une formation avec lui par la suite, là. Puis j'ai pris d'autres formations. Je suis toujours en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre sur le membership, là, comment faire croître ça plus. Parce que mon idée, c'est vraiment de créer tous des groupes cette année. C'est ça que je suis en train de mettre en place. Fait que j'ai beaucoup de pain sur la planche. Puis c'est vraiment de pouvoir aider le maximum de personnes possible.
Puis je vois qu'à travers les groupes, c'est ça qui va être comme le plus, je vais dire, en alignement avec mon essence à moi, hein. Fait que là, c'est ça, je suis en train de mettre en place le Phoenix qui a déjà été fait sous forme de groupe, là, où vous allez avoir accès à plein de petites vidéos à chaque jour. Vous allez avoir un petit travail à faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire à tous les jours, ben c'est pas grave. Suivez juste la cadence, puis vous prendrez juste plus de temps. De toute façon, vous allez avoir accès à cette plateforme-là à vie. Puis je vais être là à faire des coachings à tous les mois. Peu importe où vous allez être rendu. Il va y avoir d'autres groupes qui vont, d'autres personnes qui vont joindre le groupe. Tout va être parfait. Ça va être la même affaire avec Dragon, qui lui est concentré sur le potentiel infini. Phoenix, lui, c'est vraiment spiritualité business. Donc, c'est ceux qui ont quelque chose au niveau de la business, c'est OK. Sinon, c'est pas grave. Ça va être vraiment d'aller chercher le maximum de tout ce que les règles, les lois universelles qui peuvent vous aider à exprimer votre unicité. C'est pas obligé d'être dans un business. Ça peut être, tu sais, que j'ai une de mes clientes, elle m'a dit, moi, mon projet, c'est moi. C'est OK. C'est excellent, même. Moi, j'ai toujours pris les formations pour moi au point de départ. Puis après ça, s'il y a quelque chose qui émerge au niveau de ta créativité, parce que là, tu deviens un canal pour la grande créativité, mais là, tu vas pouvoir laisser passer cela. Ça peut être sous forme d'un livre que tu as toujours voulu écrire. Ça peut être sous forme de ton entreprise qui est là ou quelque chose qui n'est même pas là encore ou que tu veux, tu sais, être travailleur, entrepreneur de lumière éventuellement ou tu l'es déjà, mais tu veux juste avoir plus de. C'est ça, fait, je travaille avec vous personnellement, puis avec les besoins qui sont là, puis je continue à créer puis donner de l'information. Fait que c'est vraiment cool. Puis expérimenter et prise de risque, quand tu es connecté avec ton potentiel créatif, ben là, il y a comme tu sors de ta zone de confort parce que tu sais que c'est parfait. Comme moi, je le sais là, que pour les gens, tu sais, je le sais, je le sens dans tout mon être qu'à 1111 $ pour tout ce que je vais vous transmettre là, dans Phoenix, c'est vraiment pas cher. Moi-même, je ferai ce qu'il faut pour investir là-dedans parce que je le sais que c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, il est important de noter aussi que le potentiel créatif, il existe en chacun de nous, hein, puis qu'il est nourri à force de développer des pratiques qui vont venir explorer tous les domaines créatifs qui sont en vous, votre créativité, votre originalité, en encourageant des pensées qui sont uniques, en cultivant votre curiosité. L'enfant intérieur, il est toujours curieux et émerveillé. Il a une soif d'apprendre, hein, puis d'évoluer. Donc, puis en embrassant la nouveauté, nous nous libérons de notre potentiel. Nous pouvons libérer, excusez-moi, votre potentiel créatif intérieur, puis ça dans divers aspects de votre vie. Moi, je pense que le côté créatif, c'est le deuxième chakra, on l'a tout, puis c'est notre connexion la plus grande avec la grande créativité, avec la source, avec votre moi supérieur, votre essence pure. C'est ça. Donc, c'est elle qu'il faut comme. Mais au début, il faut commencer, il faut explorer, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se place, puis là, on sent vraiment que le moi supérieur, il prend les relais. L'unicité, j'ai sentais le besoin que c'est important d'en parler aujourd'hui. Donc, c'est quoi? Ben, c'est le concept unique qui nous distingue des autres. Hein? Donc, vous irez. Ce qui fait qu'on est en train d'exprimer quelque chose de façon tellement individuelle, mais en se connectant à quelque chose de plus grand. Donc, vous irez lire dans le document où. Ça favorise
une richesse qui est là. Puis quand on arrive à être dans notre unicité, là, ben c'est là qu'on fait comme, OK, moi j'ai ce prix-là, puis je le sais que ce prix-là, il vaut qu'est-ce que je te transmets, parce que c'est unique qu'est-ce qui est là. Puis c'est riche. Puis ça nourrit hein, la créativité, l'innovation, puis aussi les compréhensions mutuelles. Donc, reconnaître et apprécier l'unicité des individus, mais sa propre unicité, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je pense que ça, c'est la mission de vie. Quand on arrive à s'aligner avec notre unicité, là, puis ça se développe de plus en plus. Puis on allie plein de choses ensemble. Puis ça, c'est vraiment hot et magique, là. C'est toutes des affaires que tu aimes puis qui font que tu es unique. Puis là, ben, t'es dans ta passion, mais ça devient comme ta mission. C'est vraiment cool. Puis il faut que tu regardes. Puis dans mon cours Phoenix, c'est ça que je vous amène à voir. Je vous amène à voir. C'est quoi que tu es venu exprimer sur Terre? C'est quoi ta grande vision, là? Tu sais? Puis t'aligner avec ça. C'est vraiment cool. Puis je vois mes filles, là. J'en ai une qui est en. Les filles auxquelles j'enseignais l'année passée, j'en ai une présentement, là, elle s'est créée un groupe, elle est rendue quasiment à 5 000 personnes sur son groupe, 4 000 CUC. Son monde est le plus centré en Europe. Puis là, elle est partie en Europe. Puis elle s'est affichée. Elle n'osait pas s'afficher parce qu'elle avait une grande peur. Parce qu'elle, pour elle, s'afficher spirituellement, c'était comme pas bien vu au niveau familial. Elle l'a fait. Puis là, durant la fête des pères, elle est partie juste avant, dans la semaine avant, pour s'en aller en France. Puis là, ça se peut qu'elle reste là. Fait que c'est vraiment cool, tu sais. J'en ai une autre, elle a lâché sa job. Ça, c'est pas la première fois, là. J'ai fait une croisière aux Bahamas, la méditation, là. Puis là-dedans, là, il y en a deux qui sont. Il y en a une qui a carrément lâché son emploi pendant qu'elle était là-bas. Vraiment, je vous amène à vous aligner. Ça veut pas dire que tu vas lâcher ta job, là. Je veux pas te faire de frousse. Mais il y en a qui sentent tellement à travers ce que moi j'apporte. Oui, je le sais que c'est pas juste moi. Hein. Il y a vous, il y a votre moi supérieur, il y a votre vérité. Mais c'est ça. Donc, ça, je vous amène à vous dépasser. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui a une grande, grande, grande confiance en moi et en la vie. Je suis pas narcissique, là. Je m'aime, mais je suis pas narcissique. Mais tu sais, j'ai une confiance, une foi tellement inébranlable en l'univers, en quelque chose de plus grand, en mon moi supérieur, qu'à quelque part, tu sais, veux, veux pas, je vous contamine positivement de tout ça quand vous êtes dans mes trucs, là. L'autre point aussi, c'est de développer vos compétences en résolution de problèmes. Donc, ça, c'est le fun, hein? On va chercher des solutions créatives. Puis c'est ça que je disais, là. C'est pas comme Tony disait, c'est qu'il n'y a pas de manque de ressources. Toutes les ressources sont là. C'est d'être capable d'aller chercher des solutions créatives pour aller chercher ces ressources-là. Entraînez votre mémoire. Expérimenter de nouvelles perspectives, pratiquer la résilience au niveau mental. On l'a vu, la résilience à plusieurs niveaux, hein, là. Mais là, au niveau mental, ça va vous aider à pouvoir aller chercher la capacité de faire face aux défis de la vie de façon optimiste. Moi, là, il n'y en a pas de challenge assez grand que je peux ne pas surmonter. Je vais toutes les surmonter, les challenges. Mon chum, il m'a fait rire à un moment donné. Il dit, toi, t'es bonne dans tout, mais c'est parce que j'ai pas le mindset que je vais échouer. J'ai un mindset que je vais réussir tout le temps. C'est sûr, demande-moi pas de faire de la nage à travers le monde, là. Je ferai pas ça, là. C'est pas quelque chose qui me parle. Mais quand je sens que je suis capable, ben là, c'est parce que je sais que je vais réussir. J'ai un mindset
d'athlète ou de championne, mais je sais que je vais réussir. Fait que c'est ça. Ça, c'est une résilience mentale, là. Je vais réussir tous les défis que je sens que je suis capable de faire ou que j'ai le goût de faire, là, on s'entend. Garder aussi un esprit actif. Pratiquer les auto-soins. Ça, c'est un point que je voudrais que vous regardiez, que vous fassiez comme travail, là. Ça, c'est comme votre troisième, la méditation, la lecture attentive, puis là, ben, pratiquer un auto-soin mentaux. Là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, puis c'est le dernier point pour aujourd'hui. Je vous ai assez donné. Là, sachez que quand vous êtes avec moi en formation, mettons, vous décidez de faire le phénix, le dragon ou éventuellement Pégase qui est au niveau du tarot. Mais ça, faites-vous-en pas pour Pégase, là, parce que je vais refaire un autre, au moins un ou deux autres challenges avant que le lancement officiel se fasse. Puis ça, c'est le 29 septembre que je le pars, cette formation-là. Là, vraiment, là, concentrez-vous sur Phoenix. Là. Si Phoenix vous parle, c'est le 29 juin qu'on part le bateau ensemble, le voyage ensemble. Puis il va y avoir une nouvelle cohorte de dragons qui va partir le 1er août. Fait que, donc, ça, c'est ça. Mais Pégase, ça va être juste le 29 septembre. Fait que d'ici là, il devrait y avoir au moins deux autres challenges. Puis un challenge sur le tarot que je devrais faire spécifiquement au mois d'août. Ou non, septembre. En septembre. Au mois de juillet, là, ça va être il va y avoir un autre challenge, mais vraiment pour le dragon. Donc, là, ce que je vous demande, c'est de regarder vraiment si c'est quelque chose qui vous parle, Phoenix, là, parce que c'est vraiment un très, 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 très bon prix. Je ne pense pas de revenir avec un prix comme ça dans le futur, parce que là, je le pars d'une nouvelle façon. Puis, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Pratiquer l'auto-soin. Donc, c'est prendre soin de son mental, son bien-être mental, en accordant une importance à vos besoins émotionnels, puis en prenant des mesures pour réduire le stress. Donc, ça peut inclure des techniques de gestion de stress, une création d'une routine de relaxation, recherche de soutien social ou l'expression de vos émotions de manière saine. Les soins mentaux, l'auto-soin, donc, font référence à des pratiques ou des techniques que l'on peut utiliser pour prendre soin de sa santé mentale, de son bien-être émotionnel. Donc, ça peut être la pratique de la pleine conscience, tout simplement, comme je vous ai enseigné au cours suivant, à travers la méditation, la respiration consciente. Donc, ça, c'est déjà là. Faire de l'exercice physique régulièrement, ça va aider. Ça, je l'ai toujours cru, sincèrement. J'ai été choyée parce que moi, mon père, il était prof de karaté. Puis quand on était petit, ça ne tentait pas tout le temps, mais on faisait du jogging ensemble, puis tout ça. Puis je sens, puis j'ai toujours senti, puis je le vois, là, parce que, mettons qu'avec ma pré-ménopause, là, les symptômes, tout ça, ça m'a comme fait réduire l'exercice physique parce que j'avais tellement des hausses de chaleur que ça me donnait des migraines. Puis je voyais que ça avait un impact beaucoup sur la santé mentale, l'humeur, le stress. Donc, c'est très, très, très important de vous intégrer une routine quotidienne au niveau de l'exercice physique. Ça peut être juste marcher, là, hein? Mais l'important, c'est un 30 minutes. Moi, j'ai la chance d'avoir un sous-sol avec plein, plein, plein d'appareils. Un, que je fais de la marche, je peux faire de la marche en montagne, je peux même courir sur ça, puis je peux lire en même temps. Puis là, avec les plantes, puis tout ça, là, le Vitex, ça m'aurait aidé, là, puis j'ai comme une. Je suis rendue normale, je vais dire ça, au niveau de la chaleur. Là, je peux m'entraîner plus. Mais j'ai vu que ça avait un impact. Puis c'est pas pour rien que je l'ai vécu, c'est probablement juste pour vous en parler aussi, là. Mais ouf,
Ça a vraiment, vraiment des bonnes conséquences sur la diminution du stress, l'amélioration de l'humeur. Moi, je le vois, là. Je suis certaine qu'une pratique d'exercice physique de même que j'ai eue, moi, là, à un moment donné, c'était 1 heure par jour, là. Je vois vraiment que c'est, tu sais, puis j'ai toujours fait ça. Je suis un athlète dans l'âme, fait que je peux pas voir, tu sais, autrement. C'est pour ça que j'ai comme un petit peu prise de poids, mais je sais que ça va se régler, là. Mais puis j'aime beaucoup faire du vélo, moi du vélo, je cours sur mon vélo. Mais si vous n'aimez pas ça, faites d'autres choses. Soit ajoutez de la musique pendant que vous le faites, ou faites de la danse, ou faites quelque chose qui vous fait bouger, partir, nager dans l'eau. Là, on est l'été, c'est excellent. Donc, faites des choses qui vous font bouger. Mais au moins, ça va. Vous allez voir, parce que je suis persuadée que j'aurais pas eu une santé mentale aussi bonne. Oui, physique, vous allez dire, là, c'est clair. Moi, mes tests sanguins ont toujours été corrects, là, sauf à un moment donné, un petit 0,8 de cholestérol. Mais sinon, tout a toujours été parfait. Puis je suis sûre que c'est grâce. C'est pas ça que je peux remercier mon père, là. Vraiment, là, c'est grâce à mon père que, parce qu'il nous a comme imposé ça, je veux dire, là. J'aimais pas ça au début, mais j'ai compris assez vite que c'était bon pour moi à différents niveaux. Donc, oui, ça, là, s'il y a quelque chose, c'est clair que si vous êtes dans une période, je le redis, là, de dérèglement hormonal. Puis vous avez mal dormi parce que vous avez eu des chaleurs durant la nuit. Il y a des femmes qui me disent, ah, j'ai perdu 1, 2, 3 heures de sommeil. Vous êtes mieux de dormir un peu plus le matin si vous n'avez pas le choix que de faire de l'exercice. Ça, c'est clair parce que la nuit, le sommeil, c'est très, très, très important. Mais je vous dis, là, un minimum de 30 minutes, là, c'est important. Très, très, très important. Pratiquez aussi des techniques de relaxation, respiration profonde, visualisation guidée, yoga. Ils vont réduire le stress, l'anxiété, puis ça va fa favoriser la dé détente. Puis en plus, le yoga, comme on a dit, ça nous amène une flexibilité dans le corps et dans tous les autres domaines. Établir des limites saines. Très, très, très important, les amis. Faut apprendre à dire non. Et ça, c'est ma numérologie qui me fait faire ça. Moi, je suis un 25-7, mais j'ai un 2 à passer au travers, puis un 5 avant d'aller vers le 7 que j'ai dû travailler. Puis dans ça, c'est l'équilibre, la coopération. Fait qu'on a besoin d'être dans l'équilibre, hein? Je vais leur dire. Puis la coopération, c'est que souvent on va surcoopérer quand on a un 2 à travailler, mais souvent les gens qui sont comme, il y a plein de gens qui sont là-dedans, même s'ils n'ont pas de 2 à faire, là. Pour différentes raisons, on va surcoopérer, on va aider Pierre-Jean-Jacques. Moi, ça, ce qui me fait le plus rire, c'est les femmes qui me disent, mon mari, on a ça à réparer chez nous. Ils vont aller le réparer ailleurs, mais ils ne le feront pas chez eux. Et hey, ça, moi, je tolérerais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on soit nous aussi, tu sais, les gens qui n'ont pas d'argent, puisqu'ils ont tout donné leur argent, puis là, ils n'ont plus rien à manger, mais je ne peux pas comprendre, là. Je comprends là qu'on a, tu sais, partage, aider, tout ça, mais en même temps, il faut commencer par être nous-mêmes dans un bien-être là, avant de pouvoir aider les autres. Je dis ça sous toute réserve, là. Je suis pas dans le jugement. Mais en même temps, c'est que si vous apprenez à dire non, vous allez vous sentir moins surchargé. Surtout si c'est un non. Moi, ce que j'enseigne à mes étudiants à apprendre à être un ange humain, c'est qu'avant de faire un choix, là, de dire oui ou non à quelque chose, là, juste vous assurer en dedans de vous si c'est par amour que vous le faites ou si c'est par peur.
Si c'est par peur, là, corriger ça. Là, il faut dire non. Si c'est par amour, vraiment, là, il y a de l'amour là-dedans, là. Ben là, faites qu'est-ce qu'il y a à faire pour aller vers ce choix-là. Tu sais? Parce que si c'est aligné avec votre essence, puis vous le faites parce que vous êtes dans une peur, puis la peur du manque, c'en est un, hein? Ça va pas bien. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être. Peu importe, là. Ça marche pas, là. Donc, c'est ça. Établir une routine quotidienne équilibrée, bien entendu. Moi, ce que je vous suggère, là, puis ce que moi je fais, c'est d'arriver dans un équilibre dans mon 24 heures. Ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai mangé moins, demain, je vais manger plus. Ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai travaillé plus, je vais me reposer plus. Demain, ça se fait naturellement, on le ressent dans notre corps. Donc, allez-y comme ça. Puis apprendre à suivre aussi le flot naturel de la vie. Moi, cette semaine, j'avais pas tant de clients, puis ça, c'est programmé depuis l'univers le savait. C'était idéal parce que j'avais un 5-day challenge que j'ai su juste la semaine passée que je faisais. Fait que c'est excellent, tu sais. On ne peut pas tout prévoir tout le temps. Ce 5-day challenge-là, c'est une espèce de masterclass gratuite que je vous transmets. Bien, ça fait longtemps que j'entends qu'il faut que je fasse des masterclass gratuites, tu sais, pour promouvoir mes choses, mais j'attendais le moment que c'était pour s'installer. C'est ça, tu sais, mon chum, il dit, ça fait longtemps que je sais que oui, moi aussi, mais quand c'est prêt, là, c'est aligné, là, c'est là où que ça produit. Tu sais, ça fait longtemps que je sais que je veux écrire un autre livre, mais que ça soit prêt, ça va être aligné, ça va être le moment opportun. Fait que c'est vraiment d'apprendre à suivre tout ça. Puis l'équilibre, ben, c'est bien important pour le mental, ça, c'est clair. Sinon, on est dans l'anxiété. Puis dans les émotions. Émotions, anxiété, stress, ça va tout ensemble. Puis quand vous êtes périménopausé, là, ben le stress, il faut le réduire au maximum. Excusez-moi, là. Cultiver des relations sociales positives, bien entendu, plus vous allez être là-dedans, plus ça va être facile. S'accorder du temps pour des loisirs puis des hobbies. Hein? Plus vous êtes, tu sais, écouter de la musique, cuisiner, dessiner, etc., ça favorise le mental. Moi, je m'amuse quand je cuisine. Fait que je me crée des moments de cuisine assez. Moi, je vais favoriser cuisiner à rentrer en profondeur dans mes garde-robes. Je vais faire ça une fois de temps en temps parce que je suis obligée. De toute façon, là, je me cherche une femme de ménage, mais que je m'en ai trouvé une, je vais pouvoir aller en profondeur dans mes garde-robes. Mais je vais favoriser prendre du temps à me nourrir sainement que, tu sais, d'autres choses, là, tu sais. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis tu sais, au mieux, vous pouvez engager du monde pour faire des choses que vous aimez moins faire, pour pouvoir faire des choses qui vous plaisent. Et être dans le plaisir puis l'amusement, c'est très, très, très important. Cherchez de l'aide professionnelle si vous en avez besoin. Donc là, je vais vous demander de pratiquer un auto-soin pour votre mental. Fait que vos devoirs, vous présenter si ça n'a pas déjà été fait, méditer, la lecture attentive, auto-soin de votre choix. Puis n'oubliez pas d'aller écrire votre AA moment du jour. Donc, merci à vous. Tu sais, c'est du donnant-donnant. Là, je vois qu'il y a très peu de gens qui mettent de commentaires, qui font des likes, puis qui mettent des cœurs. Pourtant, on a expliqué depuis le début ce qui est important, c'est d'être dans un état de gratitude. Puis là, c'est la seule chose que je vous demande de faire. Prendre le temps, tu sais. Fait que ça, c'est comme si ma paye pour moi, c'est que vous allez poster des choses. Tu sais, il y en a qui le font. Je vois où sont les personnes. Puis, il y en a d'autres qui le font pas. C'est plate. Là, j'ai changé le statut parce que j'ai quelqu'un qui m'écrit un, hein, puis j'ai fait comme moi, ouais, c'est logique. Là, il était public, le groupe.
5-day challenge. Je vais toujours venir refaire probablement mes 5-day là, mais ça va peut-être être des 5-day différemment. On verra. Mais en tout cas, bref, je l'ai mis en privé, puis ça va être fait seulement le 25 parce que je comprends qu'il y a des personnes qui. Mais peut-être venir vous présenter ou écrire vos choses après si vous ne vous sentez pas à l'aise parce que c'est public présentement, là. Mais ça a été rectifié, puis ça va rester comme ça après. Il va rester privé après. Donc, ça va être plus facile. Puis n'oubliez pas, ben, vous avez seulement jusqu'au 25 juin, dimanche à minuit, pour profiter de cette offre qui ne repassera pas. L'année passée, je l'ai vendue. Ben, ça s'appelait Masterclass Spiritualité et Business, qui était sur un format complètement différent, mais quand même avec le même contenu à 3 000 $, 2 999. Cette année, mon prix, c'était plus parce que j'ai comme un an de plus en dessous de la cravate d'expérience. Fait que je me suis dit, je vais le mettre à 3 333, puis le prix, c'est 5 000, mettons, en régulier. Puis là, ben, je vous le descends à 1 111. Donc, c'est 2 222 $ de moins. Puis vous avez jusqu'à minuit pour faire l'achat. Je vous le dis, là, c'est vraiment un très beau investissement que vous allez faire parce que ça va vous aider à de multiples niveaux. Je vous amène à être dans une forme d'abondance continue. Demain, je vais vous partager, ou dimanche, je vais voir, là, mais probablement demain, je vais vous partager la vidéo d'une de mes étudiantes de l'année passée, si vous ne l'avez pas déjà vue, là. Puis cette vidéo-là, en fait, va vous montrer comment que ça a changé vraiment sa vie. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous laisse là parce qu'il est 13 h 33. Bonne journée. Je vous aime. À demain.